Buenos días a todos, buenas tardes ya. Bueno, es un placer, para nosotros un honor tener aquí al profesor François Soulages de la Universidad París 8, con el que vamos a contar para este ciclo del intelectual y su memoria, entrevistado por Pedro Sanginés, que es compañero de la facultad, profesor del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura. Bueno, en la facultad, en lo que respecta a las actividades culturales, de las cuales soy yo el responsable como vicedecano de actividades culturales, tenemos una serie de ciclos, como son las profesiones de las humanidades, que es un ciclo en el cual la persona invitada nos muestra o les muestra particularmente a los estudiantes en qué medida las humanidades pueden tener una plasmación dentro del mundo laboral, ¿no? Otro ciclo es Hablemos de los clásicos, en el cual la persona invitada trata acerca de un clásico, ya puede ser del mundo de la filosofía, de la literatura, de la filología, etcétera, etcétera. Y también tenemos otro ciclo que es de una actualidad siempre interesante y atractiva y fascinante, que es la actualidad que no aparece en los libros, ¿no? Ese ciclo es para comprender nuestro tiempo. Entonces, en ese ciclo siempre se trata de cuestiones candentes, de cuestiones a veces con cierto nivel de problematicidad. Recuerdo, no hace muchas fechas, tuvimos aquí una mesa verdaderamente tensa, ¿no? Un acto tenso porque se estuvo hablando de Siria, ¿no? Entonces, claro, pues hubo un debate muy fuerte, vinieron unos periodistas de Al Jazeera, vino gente que estaba afectada también por todos esos acontecimientos terribles que están ocurriendo en esa zona del mundo, ¿no? Bien. Y el otro gran ciclo que tenemos, probablemente nuestro ciclo estrella, es el intelectual y su memoria. En este ciclo, en el cual tenemos el honor de contar con el profesor Soulages, es un ciclo en el cual el profesor, el investigador, el docente, el intelectual, ¿no? En definitiva, que invitado, pues se le hace una entrevista en la cual pues se rememoran no solamente cuestiones de su trayectoria, sino también se hablan de cuestiones de interés relacionadas con su campo de investigación y su trayectoria vital en definitiva. Bueno, pues este es el caso de hoy, el intelectual y su memoria. Como he dicho, va a contar con el profesor Soulages, que es autor del influyente libro La estética de la fotografía. Él es especialista en estética de la imagen, en estética, en definitiva, teorética, como decíamos en el cartel que anunciaba el acto de hoy. Y, bueno, yo realmente sé que en estos actos lo normal es citar unos currículum interminables acerca de la persona invitada. Yo no lo voy a hacer, creo que en sus palabras y en la entrevista se quedarán plasmadas mucho mejor su trayectoria, sus aportaciones y sus iluminaciones al mundo en el cual nos desenvolvemos nosotros, que es el mundo de las letras y de las humanidades. Y bueno, pues con ello quiero dar paso ya al profesor Pedro Sanginés, que va a realizar la entrevista y quien nos va a decir más cosas acerca del profesor Soulages, puesto que lo conoce hace bastante tiempo. Pues gracias. Yo hablaré las dos lenguas para que se pueda entender de las dos maneras, ¿no? Je parlerai dans les deux langues y comme ça on comprendra un peu mieux. Porque la entrevista se hace en francés y yo haré las traducciones. El profesor Soulages lo conozco desde ya bastante tiempo. Además, es de una universidad que tiene bastante relación con la nuestra y también es una universidad donde yo estudié, también. Por lo tanto,
tengo mucha relación con esa universidad y con posteriormente, poco a poco, el profesor Surar. Moi aussi, j'ai étudié à Paris 8 et j'ai une certaine attirance et un plaisir et d'avoir eu des relations avec le Paris 8 et surtout avec le professeur Soulages. Bien, hoy en toda su trayectoria lo iremos viendo, no prefiero no hablar al principio, je préfère ne pas en parler au début. Et petit à petit, on va le découvrir. Poco a poco, descubriremos al profesor Surage. Ya el primer paso que ha sido poner el título, le travail sur ses propres frontières. La première chose que l'on a, c'est le titre de cette entrevue, le travail sur ses propres frontières. Alors, je voudrais lui demander, et qu'est-ce que ça veut dire? Quisiera preguntarle qué significa lo que ha dicho, lo que ha puesto, y poco a poco entraremos en su vida intelectual. Y petit a petit, on entra dans ce qui est son monde intellectuel. Merci beaucoup, Pedro. Merci aussi, Leopoldo. Et un merci tout sincère et appuyé à Maria Rosé, grâce à qui, tous les trois, ce dialogue peut se mettre en place. Et excusez-moi, no habla espagnol, je ne parle pas espagnol, et donc je vais parler en français. Creo que quizá habéis entendido y que se excusa por no hablar español y que está muy contento de estar aquí y gracias a nuestro vicedecano Leopoldo, y a María José también para continuar los trabajos que hemos hecho en Pedreitido. Alors, vous m'avez demandé de réfléchir sur cette expression, le travail sur ses propres frontières. Je dirais que la formulation de ce titre a deux causes. Para contestar en lo que es el trabajo sobre en sus propias fronteras, quieres pensar que tiene una formulación que tiene dos causas. Une cause occasionnelle et une cause, je crois, fondamentale. Occasional y fundamental. La cause occasionnelle, c'est que depuis plusieurs années, notamment avec mon ami Pedro et mon ami de Séville, Pilar García, je travaille sur les frontières. Occasional, porque con Pedro Sanginés y con Pilar García de Sevilla, trabaja sobre de forma occasionnelle sur c'était quoi? Je travaille sur la notion de frontière. Sobre le concept de frontière. Et donc, quand on m'a proposé de réfléchir sur la mémoire, je pensais, à partir de la problématique qui m'habite depuis 2 ans et pour laquelle je vais travailler encore pendant au moins 2 ans, qui est la problématique de la frontière. Hace 2 años que ya empezó a trabajar sobre este tema de las fronteras y le queda, en lo que él piensa, pues otros 2 años para desarrollar todos estos conceptos en torno a las fronteras. Ce qui m'intéresse dans cette question des frontières, c'est peut-être pas tant les frontières elles-mêmes que les articulations que l'on peut mettre en œuvre à partir de différents types de concepts de frontières. No es solo el concepto de frontera lo que me interesa, sino la articulación que existe dentro de estos conceptos de frontera, toda esa estructuración. Il y a 2 jours, grâce à Pilar García, à Séville, nous avons fait un colloque sur les frontières géo-artistiques, les frontières qui concernent l'art. Hace 2 días, en Sevilla, en un colloquio, pues planteamos lo que es las fronteras geoartísticas. Et demain, nous allons faire, grâce à Pedro et grâce à votre université, à l'Institut des conflits et de la paix, un colloque sur les frontières, on pourrait dire géopolitiques, en rapport avec la paix et les conflits. Y mañana, en lo que es el Instituto de la Paz y los Conflictos, paseará otro coloquio en torno a más bien
à lo que son las fronteras geopolíticas. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'articulation entre ces deux types de frontières, par exemple. Y lo que me interesa ante todo es la articulación entre estos dos tipos de fronteras. C'est donc de mettre ensemble des objets qui au départ sont séparés, l'art d'un côté, la géo-artistique, le géo-art d'un côté, la géopolitique de l'autre. Es intentar que cosas que parecen totalmente diferentes puedan articularse en una misma unidad, arte y geopolítica. Alors, quand j'ai entendu l'expression « l'intellectuel et sa mémoire », j'ai tout de suite été frappé par les frontières. Por eso, cuando oyó ese nombre del ciclo, el intelectual, y su memoria, enseguida me vino a la memoria lo que es el concepto de frontera. Du côté intellectuel, bien sûr, les frontières disciplinaires, les frontières face aux objets. Desde el punto de vista intelectual, las fronteras disciplinarias, ¿no? Et par exemple, j'ai créé un groupe il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Retina International. Hace unos 15 años creé un grupo que se llama Retina International. Qui travaille sur l'image et c'est la recherche esthétique et théorique sur les images. Que trabaja sobre las imágenes desde el punto de vista también teórico. Sobre estas imágenes. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est avoir à la fois des approches esthétiques d'un objet et des approches qui ne sont pas esthétiques. Lo que me interesa son aproximaciones estéticas y otras que no lo son. Donc, ce qui m'intéresse le plus dans cette formule Retina, c'est l'articulation entre l'esthétique et le non-esthétique. Lo que me interesa dentro de lo que es toda esta investigación es la articulación entre lo que es estético y lo que no lo es. Parce que quand je vois cette photo de Lorca, si mes souvenirs sont bons, je vois à la fois une belle image, aspect esthétique. Cuando yo veo la fotografía de Lorca, estoy mirando o viendo la parte estética. L'image d'un écrivain, d'un dramaturge, d'un homme de théâtre. La imagen de un escritor, de un dramaturgo. Mais aussi l'image d'un homme. Pero también la imagen de un hombre. Sans que ce soit donc quelque chose d'esthétique, un document, voilà, il a existé comme ça. Como un documento que existió de este modo. Et on ne peut pas prendre Lorca uniquement du côté de l'art ou uniquement du côté de l'histoire. Et no se puede tomar a Lorca solo de la parte artística o de la historia. Et dans notre tête, il y a toujours beaucoup d'images non esthétiques qui influencent notre réception des images artistiques. En nuestro cerebro tenemos muchos elementos fotográficos, imagen estética que nos obliga. Et beaucoup d'images qui sont non esthétiques qui influencent notre réception des images esthétiques. Y muchas imágenes no estéticas que también influencian la forma de ver. Donc l'intellectuel, à un moment, se pose la question de la frontière entre les disciplines. L'intellectuel ou le philosophe s'intéresse el intelectual, à la frontière entre les disciplines. Se interesa sobre todo en la frontera entre todas estas varias disciplines. Et vous voyez que la frontière ici, c'est plus quelque chose de vivant, un lieu de passage, une porte où l'on rentre et où l'on ressort. La frontera es más un lugar de pasaje donde se entra y se sale. Et non pas un mur. Y no un muro. D'ailleurs, l'histoire le montre. Y por otra parte, la historia lo demuestra. Quand il n'y a pas de frontière, on construit des murs. Cuando no hay fronteras, se construyen muros. L'exemple d'Israël et de la Palestine est flagrant. La relación entre Palestina y Israel es típica. Alors, en nous-mêmes, est-ce que nous avons des murs? Est-ce que nous sommes emmurés de l'intérieur? Es que nosotros también construimos nuestros propios muros dentro de nosotros mismos. Ou est-ce qu'en nous-mêmes, nous avons des frontières? Nosotros también tenemos fronteras dentro de nosotros mismos. Et c'est le deuxième aspect de l'intitulé l'intellectuel et sa mémoire. Y es el segundo aspecto de lo que es el intelectual y su memoria. Si l'on garde en mémoire justement la première topique de Freud en 1900. Si guardamos la segunda
el segundo tópico primera, de Freud. La primera, oui. La primera. En 1900. En 1900. Freud décrit l'appareil psychique. Freud describe el aparato psíquico. Avec trois types de frontières. Con tres tipos de fronteras. Une frontière extérieure qui permet à l'appareil psychique d'exister. Una frontera exterior que permite al aparato psíquico funcionar. Je dirais que c'est notre peau psychique. Es nuestra piel psíquica. Et chacun d'entre nous, nous avons une peau psychique qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et cada uno de nosotros tenemos una piel psíquica que hace que seamos lo que somos. Et une peau qui, comme la peau, nous protège du monde extérieur. Et la piel, comme cualquier piel, que nos protege del mundo exterior. Nous ne sommes pas, comme on dit en français, à vif. No está, como se dice en francés, como a pelo, ¿no? En carne viva, carne viva. La deuxième frontière qui existe, c'est celle qui sépare le conscient du préconscient. La segunda frontera es lo que separa el consciente con el preconsciente. Elle est poreuse. Es porosa. C'est pourquoi nous avons une mémoire. Es por lo que tenemos una memoria. Et il est important d'avoir une mémoire et non pas d'être une mémoire. Y es importante tener una memoria y no ser una memoria. Être une mémoire, c'est répéter un passé qui nous manipule et qu'on ne connaît pas. Tener una memoria es tener un pasado que podemos repetir y que conocemos, vamos a conocer. On est un peu comme la feuille de l'arbre qui est la continuation de l'arbre. Somos un poco como la hoja del árbol que es la continuidad de ese propio árbol. Et qui ne sait même pas la feuille ne sait même pas qu'elle est feuille de l'arbre. Y la hoja no sabe realmente que es hoja del árbol. Bien sûr, nous avons un passé. Por supuesto que tenemos un pasado. Bien sûr, nous avons des parents, des grands-parents, des cultures, etc., etc. Por supuesto que tenemos abuelos y tatarabuelos y cultura. Mais nous ne sommes jamais notre culture, notre passé et nos parents. Pero nosotros no somos nunca nuestra cultura, nuestro pasado, nuestros padres. Nous ne sommes pas l'enfant que nous fûmes. No somos el niño que fuimos. Et c'est justement cette capacité humaine à la liberté. Es esa capacidad humana a la libertad. Et la mémoire, c'est donc un stock que nous pouvons utiliser. La memoria es pues un almacén que podemos utilizar. Plus ou moins facilement. Más o menos fácilmente, con facilidad. Ça ne doit pas être un stock qui nous utilise. No puede ser un almacén que nos utiliza a nosotros. Il n'y a d'une certaine manière pas de raison humaine. No hay razón humana. À être dans une continuité avec ce passé. Para estar en una continuidad con este pasado. Mais nous sentons que le problème de l'intellectuel et de tout homme est là. Y sabemos que el problema del intelectual o de cualquier hombre está en ello. C'est notre rapport avec notre mémoire. Es la relación que tenemos. La memoria. Si nous avions une mémoire totale, et Nietzsche l'a bien montré, et si tuviéramos una memoria total, y Nietzsche lo demostró, nous ne pourrions pas vivre embarrassés par cette mémoire absolue. No podríamos vivir molestado por esta memoria viva. Mais si nous n'avions aucune mémoire, pero si no tuviéramos ninguna memoria, nous n'aurions plus de savoir. No tendríamos saberes. Et nous n'aurions plus de savoir sur nous-mêmes. Y no tendríamos saberes para nosotros mismos, de nosotros mismos. Et peut-être que le salut de la mémoire. Y por eso la salvación de la memoria. C'est quand on l'utilise. Es cuando se utiliza. C'est-à-dire quand on, tel un artisan, on la remanipule comme il va manipuler de la pâte pour faire un pain ou de la glaise pour faire un objet. Así como hace un artesano cuando utiliza pasta para hacer pan o la tierra para hacer objetos. Et il l'oriente vers autre chose qui est le futur. Y lo orienta hacia otra cosa, que es el mismo futuro. L'intellectuel, comme tout homme, el intelectual como cualquier hombre
Et sujet, ouais. Quand il prend les objets de sa mémoire et les objets en général, cuando toma los objetos en general, pour fabriquer des projets, para crear proyectos, donc para... pour se mettre dans comme un être temporel, para estar como un ser temporal, para ser un ser temporal. Il a un passé, il a un présent, il a un futur. Tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. S'il n'est que ce passé, il est mort quasiment. Si solo tiene este pasado, pues solo está muerto. Freud disait la répétition c'est la mort. Freud decía que repetir es la muerte. S'il n'est que présent, ça n'a pas de sens. C'est un présent qui s'enracine nulle part. Si es presente solo, no sirve para nada. En art, une performance n'est pas quelque chose qui relève de la performativité. En arte, la performance, no es la performatividad. Et on ne peut pas être non plus qu'un futur. Et non solo, no podemos tampoco ser solo un futuro. Parce qu'un futur, c'est pas qu'il est le symétrique du passé, c'est qu'il est toujours lié au passé. El futuro no es que sea algo del pasado, es que está siempre en relación con el pasado. Il faut donc, pour l'intellectuel comme pour tout homme, por lo que para el intelectual como para cualquier ser humano, s'enrichir de sa temporalité triple. Enriquecerse de esa temporalidad triple, tout en reconnaissant sa temporarité, le fait que l'on soit temporaire. Et continuar en lo que es su temporalidad, que es realmente temporal. Cette pluralité donc du sujet, à mon avis, constitue, caractérise à la fois tout homme et aussi l'intellectuel. Esta pluralité interna del sujeto, vous pouvez répéter. Donc caractérise tout homme et en particulier si l'intellectuel. Cualquier ser humano y en particular el intelectual. Quand je dis en particulier, je pense bien sûr au petit esclave de Ménon dans le dialogue de Platon. Cuando hablo de eso, estoy refiriéndome a la historia de Ménon. En la historia de el filósofo Platón. Il n'a certainement pas écrit de livre, ce petit esclave. Este esclavo no ha escrito libro. Mais il a totalement pensé. Pero ha pensado totalmente. En lien avec des gens, sûrement comme Socrate ou d'autres. En relación que tuvo entre Sócrates y otros. Et nous sommes au cœur du cœur de la philosophie. Y estamos en el corazón mismo de la filosofía. À la limite, tout avait été dit avec Platon dans le Tête-à-Tête. Todo había sido dicho por Platón en el Tête-à-Tête. La réflexion, disait Platon, est un dialogue de l'âme avec elle-même. La réflexion es un diálogo del alma consigo mismo. Logos. Le logos. C'est donc que l'âme, il y a un dialogue intérieur. Ahí pues un diálogo interno. Il y a interrogation, curiosité, problème, contradiction. Hay interrogación, problema, contradicciones. Donc il y a deux positions à ne pas avoir. Por lo que hay dos posturas que no se puede tener. Premièrement, c'est avoir une doctrine, des idées, des choses fixes que l'on développe. Tener ideas fijas que se desarrollan. Et dans la mesure où réfléchir, ce n'est pas avoir des idées. Oh, porque reflexionar es no tener ideas. Si vous voulez avoir des idées, regardez la publicité, ça vous en donnera. Si queréis tener ideas, solo mirar la publicidad. Ou faites de la politique des politiciens qui ont des idées. O hacer política de los políticos que tienen ideas. Bref, faites du commerce, vous aurez des idées, mais vous ne penserez pas. Por hacer comercio, que tendréis muchas ideas, pero no tendréis que pensar. Et la deuxième position que l'on ne peut pas non plus tenir. Y la segunda postura que no se debe
tocar o definir. C'est l'incapacité de se situer quelque part. Es la incapacidad que se pueda tener de estar en algún sitio. Et donc la pensée, le travail de la pensée pour chacun d'entre nous, intellectuel ou pas. Y por lo tanto la, el pensamiento, que sea intelectual o no. C'est véritablement un travail avec le temps et sur le temps. Es un trabajo con el tiempo y en el tiempo. Et c'est donc faire l'épreuve d'un mouvement de pensée. Y tener la prueba de un esfuerzo de pensar. Et si nos idées sont les mêmes qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 40 ans. Y si nuestras ideas son las mismas que hace 10 o 40 años. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a jamais eu de mouvement de pensée. Significa que nunca ha habido movimientos de pensamiento. Si c'est en plus les mêmes que celles de nos parents, nos voisins ou des gens qui ont vécu dans la même région que nous. Y si es lo mismo que nuestros padres, nuestros antepasados. Et qui ont vécu dans la même région, peut figurer. Nous ne pensons pas plus que le fruit d'un arbre. Nous pensons pas que, non plus que le fruit d'un arbre. Mais il y a donc une position difficile, compliquée à tenir. Hay pues un planteamiento, una postura à mantener importante. Si l'on se met dans une perspective, j'allais dire parménidienne. Si nos ponemos en una perspectiva de Parménide. Je veux dire où l'on va chasser le temps et se placer au niveau de l'être. Vamos a dejar el tiempo y nos vamos a fijar en lo que es el ser. Alors que ce qui est intéressant, c'est de voir le mouvement de pensée comme le mouvement de l'eau chez Héraclite. Por eso es lo que es bueno es poder ver el movimiento del pensamiento, el movimiento de, o el movimiento del agua, como en el caso de Heráclito. Ce qui fait la grandeur de Picasso, c'est tout son trajet extraordinaire. Lo que hace la grandeza de Picasso es todo el trayecto de este hombre. Ce qui fait la grandeur de Hegel, c'est la phénoménologie de l'esprit et le passage. Lo que hace la grandeza de Hegel es toda la fenomenología de su trayecto. Alors, de pensamiento. Dans cet appareil psychique dont on a parlé, en este aparato psíquico del que se habló, il y a une troisième frontière. Existe una tercera frontera, qui est la frontière qui sépare l'inconscient du reste. Es la frontera entre el inconsciente y las demás cosas. Et qui nous dit, en vous, il y a une boîte noire qui est plus compliquée que cela. Et qui démontre que en cada uno de nosotros hay una caja negra que es mucho más compleja de lo que. C'est pour cela que votre problématique est particulièrement bonne, je trouve. Por ello, vuestra problemática es realmente buena. La question n'est pas que quelles sont tes idées ou qui es-tu. La pregunta no es cuáles son sus ideas y quién eres. Mais quel est ton chemin? ¿Cuál es el camino o el proceso? Comment es-tu devenu cela? Et cómo te has hecho o te has transformado en lo que tú eres? La position est donc plus celle du pèlerin. La postura es más el del pellegrino, que de l'adorateur toujours au même endroit, de toujours la même divinité. Que el que adora, que está siempre en el mismo sitio y con la misma divinidad. Et vous comprenez que la raison conjoncturelle nous fait déboucher sur une raison structurelle, fondamentale. La raison conjoncturelle nous lleva à la raison. Une raison fondamentale. Fondamentale. L'intellectuel n'est pas celui qui va défendre toujours le même drapeau. L'intellectuel no es el que va a defender siempre la misma bandera. Ça c'est très bien, mais ça c'est de la communication. Eso está muy bien, pero es comunicación. Alors on peut défendre de très belles choses, c'est très bien. Mais se puede defender muchas cosas, es muy bonito. On peut faire de la publicité pour de très bonnes voitures ou de très mauvaises voitures, c'est pas un problème. Se puede hacer publicidad para buenos coches o otros. Ce qui est, à mon avis, donc important, c'est d'essayer de voir justement le trajet de l'intellectuel comme le travailleur sur ses propres limites.
L'intellectual, lo que es interesante es verlo en el trabajo, en sus propios límites. Sur ses propres frontières. En sus propias fronteras. Et c'est donc l'arrachement à des certitudes. Y es distanciarte de algunas certidumbres. Qui sont toujours signes, très mauvais signes des certitudes. Que, puesto que las... puesto que este planteamiento es, es malo, es, c'est mauvais signe de... es un signo muy malo. Les cimetières sont remplis de gens qui ont eu des certitudes. Los cementerios están llenos de personas que han tenido certezas, muchas certezas. Mais s'il y avait deux figures à donner... Y si tuviéramos dos figuras, dos imágenes que dar... Je donnerai celle de Socrate qui interroge plus qu'il ne dispense à savoir. Daría el de Sócrates que da, qui interroge plus qu'il ne donne à savoir. Que pregunta más que que et le deuxième deuxième figure, ça serait celle de Montaigne. Y el segundo es de Montaigne. Dont la formule était « Que sais-je ?» Et cuya formula era « Que sé yo ?» Et c'est peut-être là où le sujet est intéressant. Es quizás en ese caso en que el tema es interesante. Parce qu'il n'est pas tel un sujet illusoire qui est comme un roi dans une forteresse. No es un sujeto que está encerrado en una torre, una... Et Shakespeare et l'histoire nous a montré que tout roi est nu. Y por eso Shakespeare, como otros, nos han demostrado que cualquier rey está desnudo. Et que le roi le sait, mais sa cour doit le savoir aussi. Que su corte lo sabe y que también la gente de su corte tiene que saberlo. Mais là, nous sommes dans un sujet en interrogation. Pero aquí estamos en un tema interrogante, ¿no? Que es una interrogante. Un sujet qui va avancer, naviguer. Un tema que va avanzar y a navegar. Faire des erreurs et en faisant des erreurs, faire des découvertes. Hacer errores y cometiendo errores, pues descubrir cosas. Si vous ne voulez jamais faire d'erreur, ne faites jamais de recherche, ne pensez pas. Si no queréis cometer errores, no hagáis investigación. Si vous voulez de la reconnaissance... ne vous mettez pas non plus à réfléchir. Et si queréis reconocimiento, tampoco penséis. Prenez un chien, il vous sautera dessus chaque fois que vous verrez. Coger un perro, vous serez extrêmement satisfait. El perro le saltará encima y estará muy contento. Mais ce que nous a appris Christophe Colomb, y lo que nos enseñó Cristóbal Colón, c'est qu'il faut avoir des rêves, des projets qui nous dépassent. Tenemos que tener sueños. Y pensamientos que vaya más allá. Et qu'il faut accepter de faire des erreurs. Y debemos aceptar los errores. Ça y est, je suis en Inde, et il y a des Indiens. Ya está, ya estoy en India y hay indios. Et c'est comme ça qu'on découvre l'Amérique. Y así descubrimos la América. Et donc on a été au-delà des frontières du pensable et des cartes. Hemos ido... así de esta manera más allá de los mapas y de los trazados pour savoir que au-delà des frontières imaginer et penser para saber que más allá de las fronteras imaginarias o pensadas il y a des territoires magnifiques à explorer hay territorios maravillosos que explorar et c'est un peu ce que je voulais dire dans ce travail sur ses propres frontières. Es un poco lo que quería decir sobre este trabajo, sobre en sus propias fronteras. C'est toujours sur ces frontières qu'il faut travailler. Siempre uno tiene que trabajar en sus propias fronteras. Autant la critique d'autrui est dérisoire. Así como la crítica de los demás es es ridícula. Peut-être d'une certaine manière que c'est la grande leçon de la révolution culturelle, c'est-à-dire une entreprise totalement dérisoire. Es igual que lo que ocurrió en la revolución cultural o algo derisorio. Dans la mesure où on critiquait les autres.
en la medida en que solo se criticaba a los demás. La seule critique intéressante, c'est l'autocritique. La única crítica interesante es la propia autocrítica. Dans le cas de la simple critique, vous fouettez ou vous êtes fouetté. En el tema de la crítica, o usted da latigazos le da usted latigazos. Les intellectuels cambodgiens ont supprimé un tiers de la population cambodgienne. Los intelectuales de Camboya pues se han eliminado la tercera parte de la población camboyana. Et ils avaient vraiment des idées très solides. Y tenían ideas muy muy sólidas, muy fuertes. Et alors que l'autocritique, c'est intéressant, ça fait avancer soi-même. Mientras que la autocrítica es interesante y hace que avancemos mucho más. Ou plus exactement, c'est le seul moyen d'être un sujet. Es el único medio para ser un sujeto. Autrement, on est simplement une marionnette manipulée d'ailleurs. Sino, en el caso contrario, solo somos una marioneta utilizada por otros. Et c'est un travail. Yes, un trabajo. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, il faut agir dessus, transformer, c'est-à-dire une transformation. Tenemos que hacer esfuerzos y hacer trabajos de y transformarnos, transformar constantemente. Mais ça peut être aussi une difficulté. Pero también, por otro lado, puede ser una gran dificultad. L'étymologie du mot travail est d'ailleurs parlant. Et la etimología de la palabra trabajo significa mucho. Et cela vient du deux mots latins tripalium, le tripalium plutôt. Viene del latín tripalium. Qui était trois pieux. Tres estacas. Que l'on mettait comme ça et on mettait l'animal et on ferrait par exemple les chevaux grâce à ces trois pieux. Se hacía así y se ponía el animal para poner el hierro. Et ça marchait si bien pour les animaux qu'on s'en est servi pour mettre les marques aux esclaves. Et fonctionna tan bien para los animales que después se hizo para los esclavos. Et puis ça marchait si bien pour les esclaves que c'est devenu un objet de torture. Le tripalium, c'est un objet de torture. Et fue tan bien para la esclavitud que después pues se utilizó muy bien para la tortura. Alors, je ne suis pas pour une... muy bien para la tortura. Je suis pas pour une apologie de l'auto-torture. No soy por la apología de una auto-tortura. Mais c'est vrai que ça ne tombe pas du ciel ou de l'État-providence. Pero no cae del cielo ni del Estado-providencia. Kant disait il faut penser par soi-même. Cuando se dice que se tiene que pensar por sí mismo. Je dirais qu'il faut repenser les choses par soi-même. Lo que quiero decir es que tenemos que volver a pensar lo mismo por sí mismo. Y que parfois, mais c'est pas plus dur que le reste, c'est parfois un peu difficile. No es más difícil que los demás, pero sí, en algunos casos es más difícil. Difficile non pas tant parce que l'objet à penser est difficile. Difícil porque no porque el objeto que pensar es difícil. Mais parce que nous sommes intellectuellement très conservateurs. Porque intelectualmente somos muy conservadores. C'est-à-dire que nous avons appris à penser dans des cadres. Hemos aprendido a pensar en unos cuadros. Et nous avons de la difficulté à trouver ou à inventer. Plus exactement, nous avons plus de difficultés. Pero tenemos más dificultad para inventar. A quitter son propre cadre précédent de pensée. Para dejar su propio pensamiento anterior. Qu'à produire un nouveau cadre. Que construir un nuevo cuadro. Parce que nous sommes dans une vision illusoire du sujet. Porque estamos en un pensamiento ilusorio del propio sujeto. Où le sujet serait ceci, constitué à certains moments, voilà, réalisé. El sujeto sería esto, que se constituyó en un momento dado. Comme cette bouteille est bouteille et restera bouteille. Como esta botella es botella y permanecerá siendo botella. Donc nous sommes une essence. Somos una esencia. Alors que, comme l'a bien montré Sartre avec l'existentialisme, como lo ha demostrado muy bien Sartre con el existencialismo, qui nous dit que l'existence précède l'essence, que
cuando la existencia precede la esencia. C'est que la pensée, c'est l'activité de l'existence intellectuelle. El pensamiento es la actividad del intelectual, del pensamiento del intelectual. Et donc, il y a changement. Y por lo tanto, hay cambios. Et donc, chacun d'entre nous, nous avons évolué à la différence de cette bouteille qui restait la même. Y cada uno hemos evolucionado diferentemente a la botella que se permanece siendo como tal. Donc nous avons une histoire, une aventure. Por lo tanto, tenemos una historia y una aventura. Et nous ne sommes pas sûrs de savoir où nous allons. Y no sabemos realmente dónde vamos. En d'autres termes, la recherche, si l'on recherche, c'est qu'on n'a pas déjà trouvé. Si investigamos es que no hemos encontrado. Parce qu'il faut à la fois trouver de nouveaux objets. Porque tenemos que encontrar a ver, nuevos objetos. Et trouver de nouvelles manières de chercher des objets. Y encontrar nuevas maneras de encontrar objetos. Et c'est pour ça que l'intellectuel peut s'enrichir énormément. Y por eso el intelectual puede enriquecer mucho. En ne restant pas simplement humain. No solo siendo humano. Mais en étant interhumain. Sino interhumano. C'est-à-dire en travaillant avec d'autres gens. Trabajando con otras personas. D'autres intellectuels et des gens non intellectuels. Con otros intelectuales y otros no. Il va de soi que moi qui suis philosophe de formation. Ya que yo soy filósofo de formación. Un autre philosophe de formation ne m'apporte pas grand-chose. Otro filósofo de formación no me trae más cosas. Parce que nous partageons 90% de socle commun. Porque compartimos 90% de la base común. Quand je travaille avec un artiste, j'apprends déjà beaucoup plus. Cuando trabajo con un artista, ya aprendo muchísimo más. Quand je travaille avec des gens d'une autre culture et d'un autre itinéraire de vie que moi, j'avais apprendre beaucoup plus. Y cuando trabajo con otras culturas o otras formas, aprendo muchísimo más. Ça veut dire que l'intellectuel ne peut pas se penser comme Robinson Crusoe. Que el intelectual no puede pensarse como Robinson Crusoe. En faisant comme si sur l'île tout était désert. Comme si la isla estuviera totalmente desierta. Nous sommes sur une île où il y a eu peut-être déjà 10 milliards d'hommes. Estamos en una isla donde quizás haya habido 10 mil millones de hombres. Et il y en a à l'heure actuelle 7 milliards. Y actualmente hay 7 mil millones. Et nous pouvons, comme Robinson Crusoe, y podemos, como Robinson, nous enrichir de la rencontre avec vendredi. Y enriquecernos con el encuentro con viernes, vendredi. Et tous les jours, c'est vendredi qui va nous faire avancer pour penser autrement. Y todos los días es ese personaje que nos va a enriquecer y va a hacer que avancemos. Penser autrement, c'est pas penser d'un côté et puis le lendemain de l'autre. Pensar de otra manera no es pensar un día una cosa y otra cosa otro día. C'est s'enrichir, reconfigurer les ensembles. Es enriquecerse y reconstruir los conjuntos. Et c'est pourquoi je suis très content d'être en Andalousie cette semaine. Y por eso estoy muy contento de estar en Andalucía esta semana. Parce que je travaille, j'ai travaillé ces jours derniers avec des artistes. Porque esta semana he trabajado con artistas. Et je travaille ces jours là à Grenade avec des philosophes, des politistes et des gens vraiment. Y trabajo en Granada estos días sobre política y qui sont très enrichissants, etc. Parce qu'ils sont différents de moi. Porque son diferente a mí mismo. J'ai un jour, je ne l'ai plus recommencé, organisé un déjeuner avec deux très bons amis photographes que j'aime beaucoup de chaque l'un et l'autre. Et quand ya estuve comiendo con dos fotógrafos et amigos. Et le déjeuner a été très très médiocre. La comida no era muy buena, mediocre. Parce que chacun pensait savoir ce que l'autre pensait. Chaque photographe était là. Cada fotógrafo pensaba lo que el otro pensaba. Dans un premier moment, en se disant, c'est quand même moi le meilleur. En un momento dado, pensando que era el mejor.
Et se disant intérieurement, l'autre est peut-être meilleur que moi. Et pensando interiormente que quizá el otro era mejor que yo. Donc on était dans ce que les Grecs nous ont bien appris, on était dans l'heuristique, dans le combat. Estábamos pues en la heurística, en el combate. Et le combat n'apporte rien. Et la lucha no trae nada. Au lieu d'être dans l'heuristique, c'est-à-dire dans la recherche. En lugar de estar en la heurística, en la investigación. Et se dire, toi aussi tu travailles en photographie. Tú también trabajas en fotografía. Essayons de voir ton point de vue aussi. Y vamos a ver tu punto de vista igualmente. Et ça me permettrait alors de comprendre que ma mémoire n'est qu'une mémoire. Y así uno aprende que su memoria no es más que una memoria. Et que mon trajet n'est qu'un trajet. Y mi camino es solo un camino. Et vous voyez, en vous parlant, je réalise là, à la seconde, y mirándoos, pienso en ese momento, que l'on pourrait relire avec beaucoup d'enrichissement, que se podría volver a leer con mucho enriquecimiento, quelques textes de Sartre, algunos textos de Sartre, que j'ai pas lu depuis bien longtemps, que no he leído desde hace mucho tiempo, et notamment le livre qui s'appelle Les mots. Y sobre todo lo que se llama las palabras. Ou d'une certaine manière, Sartre termine ainsi. Et que Sartre termine de este modo. Je suis un homme comme tous les autres hommes, fait de tous les autres hommes. Soy un hombre como los demás hombres, hecho de los demás hombres. Vous voyez, on est dans un enrichissement par l'autre. Et por lo tanto, nos enriquecemos del otro. Voilà un peu la réponse à la première voilà, question. Voilà la question à la durée. Hein. Oui. Petite. T'as qu'à me couper plus. Non, non, c'est bien, c'est bien. Non, c'était important parce que la définition est intéressante. Mais ce qu'il faudrait peut-être, c'est un peu justement voir ce cheminement que vous avez fait. Oui. Es conocer un poco ahora lo que el camino que ha hecho para poder llegar a esto, ¿no? Por poder arriver a ses pensées, hein, dans votre formation intellectuelle, etc. ¿No? Je vais essayer de répondre en étant pas biographique, mais en étant plus conceptuel. Mais c'est quand même biographique. Mais je veux bien être biographique. Je veux bien être biographique. Mais le chemin voilà, qui est le plus intéressant. Alors, vous savez, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est qu'un commencement. Un commencement, c'est temporel. C'est chronologique. Algo que empieza es algo temporal, es algo cronológico. Je partirai peut-être d'une origine. Quizás empezaría yo por un origen de. Alors, l'origine, c'est ce qui nous constitue de façon à la fois réelle et fantasmatique. El origen es lo que hace algo fantasmático, ¿no? Et en gros, à l'origine, il y avait un certain nombre de choses qui ont fait que. El origen había una serie de cosas que han hecho que. Je m'interrogeais sur un certain nombre de problèmes. Me interrogaba sobre. O me preguntaba sobre una cantidad de temas. Et j'étais comme beaucoup de personnes plus intéressé par ce qu'on appelait en France les lettres que les sciences. Me interesaba más las letras que las ciencias. C'est pourquoi mes parents m'ont fait faire des études de sciences. Por eso realicé estudios científicos. Et donc j'ai passé un bac scientifique avec des notes, je crois, très médiocres en sciences et des notes correctes en lettres et en philosophie. Por eso mis notas en bachiller pues han sido mediocres en ciencia y buenas en letras. Et quand, à 18 ans, j'ai passé un entretien pour rentrer dans une école d'ingénieurs. Y a los 18 años, cuando tenía que entrar en una escuela de ingenieros. On m'a dit que j'étais pris,
mais que j'avais plutôt un profil commercial. Y cuando que sí me aceptaban, pero que tenía sobre todo un perfil comercial. Et ils m'ont dit vous devriez faire HEC. Y por lo que tendría que hacer HEC, que es altos estudios comerciales. ¿No? Et qui est la plus grande école de commerce en Europe. Es la más importante escuela de comercio de toda Europa. Et moi, je ne connaissais absolument pas cette école. Il ne conocía en absoluto esta escuela. Et je croyais qu'il m'avait dit, vous devriez, je vous promets, j'avais l'impression qu'on me disait, vous devriez avoir un magasin qui vendrait des machines à laver. Y me daba la impresión que me estaban diciendo que yo abriera una tienda para vender aparatos. Et je me suis dit, mais on m'a pas compris. Et lo que se preguntó es que estas personas no me han entendido. Alors, en fait, je crois que j'aurais très bien vendu des machines à laver. Y creo que quizá hubiera podido vender perfectamente máquinas de lavar, lavadoras. Et la preuve en est, ma fille la plus jeune fait cette école que je n'ai pas voulu et dont j'ignorais tout, voilà. Y su niña pues está haciendo esa escuela en este momento. Et donc, j'aurais bien aimé être médecin. Me hubiera gustado ser médico. Mais quand même sans maladie, sans sang, sans piqûres, etc. Pero sin enfermedades, sin enfermedades, sin nada, sin sangre. Et j'ai dit, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais faire des études de philosophie. Puesto que es así, ya me voy a la filosofía. Mais je voyais ça, je crois, comme un passage. Y lo veía eso como un paso. Un moment de formation. Un momento de formador. Mieux, un moment de réflexion. Un momento reflexivo. Croyant que quand on faisait de la philosophie, on en faisait 3 ans et après, tel problème était résolu. A creer que haciendo 3 años de filosofía ya podía resolver todos los problemas. Donc je confondais la philosophie et un savoir-faire précis. Y confundía lo que era la filosofía un saber hacer. Et en faisant de la philosophie, j'ai fait de la philosophie dans une institution. Y haciendo filosofía, he hecho filosofía en una institución. Et je suis tombé sur un professeur de philosophie qui nous dictait son cours. Y estaba con un profesor de filosofía que dictaba su curso. Et j'avais donc une approche un peu de la philosophie comme le catéchisme au 19e siècle. Y tenía un poco una aproximación a la filosofía como el catecismo en el siglo XIX. À tel point que pour être encore plus dans cette logique de sérieux. Y estando siempre en esta seriedad. Mon professeur m'a conseillé de faire de la logique et de me spécialiser en épistémologie. Y mi profesor me pidió que hiciera que estuviera en lógica y en epistemológica. Biología. La vie, c'est comme quand on rentre dans un magasin d'antiquités. La vida es como cuando se entra en un almacén de antigüedades. On y va parce qu'on a vu de très belles bottes et on a envie d'acheter des bottes. Uno entra porque quiere comprar unas botas porque son muy bonitas. Et on repart avec un piano à queue. Y después uno sale con un piano. Vous voyez, il y avait déjà un changement de cap. Hubo pues ya un principio, un cambio de camino. Alors, vers l'âge de 23, 24 ans, je ne sais plus exactement. Ou hacia los 23 años, no sé exactamente. Je me suis dit, je vais faire une thèse en philosophie. Pensé que iba a realizar una tesis en filosofía. La thèse étant l'arc de triomphe de la pensée universitaire. La tesis siendo el arco triunfo del pensamiento universitario. Et je voulais donc faire une thèse très sérieuse. Y quería hacer una tesis muy seria. Non pas d'histoire de la philosophie, c'est-à-dire qu'est-ce que pensait telle personne entre 1732 et 1733. No una historia de la filosofía dentro de como en 1733 o 1734.
mais en essayant de penser les rapports. Pero intentando pensar relaciones. Et les rapports entre l'image et le concept. Et relaciones entre la imagen y los conceptos. Peut-être que le mot le plus important dans tout cela. Quizás la palabra más importante de todo ello. C'est ce que m'a fait remarquer quelqu'un la semaine dernière où je faisais une intervention dans une université. Es lo que me dijo de un interveniente en unas palabras que yo dije en aquel entonces. C'est le mot et. Es la palabra y. Que l'on retrouve dans un grand nombre de livres que j'ai publiés. Que se encuentra en muchos libros que he publicado. Parce que je crois que ça reprend ce que je vous disais au début. Porque si creo lo que yo ya os decía al principio. La seule chose qui soit intéressante, c'est de mettre des liens entre des choses. Lo que es importante poner ligaciones entre una cosa y otra. Notamment entre des choses qui apparemment n'en ont pas. Sobre todo entre cosas que aparentemente no existe. C'est mettre de l'intelligence, interlegere, entre des choses. Es poner inteligencia entre las cosas. Donc il y avait ce « et » qui commençait à pointer, qui m'intéresse vraiment beaucoup aujourd'hui, depuis longtemps. Por eso había ese « y » que me, al final, pues, que aparecía y que hoy para mí me interesa mucho. Ça m'intéresse au niveau théorique, mais ça m'intéresse au niveau méthodologique de travailler avec des gens. Me interesa a nivel teórico y a nivel metodológico trabajando con otras personas. C'est pas simplement d'apprendre de Pedro mille choses que je ne connais pas. No es aprender de Pedro miles de cosas que no conozco. Mais c'est de construire avec Pedro quelque chose. Pero es construir con Pedro algo. Je préfère de loin une partie de tennis à une course solitaire de fond. Prefiero jugar un partido de tenis que estar corriendo durante mucho tiempo. C'est pourquoi je crois autrui est nécessaire à notre propre pensée. Por eso yo creo que es importante para nuestro pensamiento. Comme je le disais, nous sommes déjà plusieurs en nous-mêmes. Por eso, como yo decía, somos varios en nosotros mismos. Et quand nous ne sommes pas plusieurs, là nous sommes dans la psychose, bref, nous sommes paranoïaques, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophes qui sont paranoïaques. Nosotros, cuando somos solo eso, pues somos paranoicos, etc. Y es verdad que muchos filósofos lo son. Dans la mesure où ils s'imaginent qu'ils ont tout expliqué, ils construisent un système. En la medida en que creen que todo ya comprenden todo y que han creado todo un sistema. Et qu'ils ont le point de vue de Dieu, ils ont la vérité. Y por lo tanto tiene el pensamiento de Dios, es decir, la verdad. Le prophète a toujours tort. El profeta siempre, no, nunca tiene razón. Méfiez-vous des gens qui viennent vous annoncer la fin du monde ou la fin de je sais pas quoi. Tenga cuidado de aquellos que vengan a decir del fin del mundo y de no sé qué. Alors, une thèse qui s'appellerait l'image et le concept. Una tesis que se llamaría la imagen y el concepto. Vous comprenez la prétention du jeune homme. Ya podéis entender la comprensión del joven. Qui se, disons, éteint très rapidement. Que rápidamente se ha apagado. Parce que j'avais été très marqué par un philosophe qui s'appelle Bachelard. Porque me tengo una influencia muy grande de un filósofo que es Bachelard. Et qui articule lui aussi deux choses. Que articula también dos cosas. À la fois l'épistémologie des sciences la plus pointue. La epistemología de la ciencia la más importante. Et le travail sur l'image et l'imaginaire le plus développé. Y el trabajo sobre la imagen y lo imaginario muy desarrollado. Et c'était le même homme qui faisait les deux, qui s'enrichissait mutuellement. Y ese era el mismo hombre que se enriquecía de las dos partes. Et une des thèses de Bachelard. Y una de las tesis de Bachelard. C'est que on ne pense pas global, on pense régional. Es que no se piensa global, sino regional.
On ne fait pas une théorie du cancer, on traite tels aspects du de tel cancer à tel moment donné. Pour no se trata del cancer en su conjunto, sino partes del cancer existente. Et puis après, longtemps après, avec d'autres travaux, d'autres personnes, on peut remonter, reconstruire, etc. Y mucho después, pues ya se va reconstruyendo poco a poco todo ese gran. Donc je me suis dit, image, concept, qu'est-ce que tu connais le moins? C'est l'image. Imagen y concepto, ¿qué conoces de mí sino la imagen? Même l'image, je ne comprenais pas l'image. Incluso el concepto de imagen no lo entendía. Or, je crois, je le dis aux gens qui sont plus jeunes, et tout le monde ici est plus jeune. Pero lo creo, y cuando yo era joven, y ahora que todos son jóvenes. Et quand on ne comprend pas, ça devient intéressant. Cuando no se entiende, empieza a ser interesante. Un, parce que si on comprend totalement, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Si se entiende totalmente, para qué? Et deux, parce que quand on croit comprendre, on ne comprend pas souvent, et véritablement. Porque a veces cuando se cree comprender, tampoco se comprende. Je ne sais pas lequel d'entre vous comprend le système solaire, le fait que la Terre tourne autour du Soleil. No sé si alguno de vosotros comprende el sistema solar y cómo. Vous devez être comme moi, ne rien comprendre. O estar como yo que no entiendo. Ou qui comprend que l'Europe qui devait apporter le bonheur, le travail et la richesse il y a 20 ans. Y los que decían hace 20 años en Europa que íbamos a traer la riqueza y la felicidad. Apporte la pauvreté, bientôt la guerre. Y ahora pues la pobreza y guerras sí, que están aquí. Donc. Je me suis dit, on va travailler l'image. Por ello, pensé que íbamos a trabajar. Mais pas toute l'image, comme disait Bachelard. Y no toda la imagen que decía. Mais une petite image. Pero una pequeña reducida imagen. Et je me suis dit, tu vas passer 3-4 ans à travailler sur une image. Y vas a pasar 3 o 4 años para trabajar en una. Quelles images? ¿Cuáles? De qué imagen? Alors, j'ai regardé tout ce qui était déjà assez balisé, assez connu. Ya había visto muchas de las que ya había eran conocidas. La peinture, le cinéma, les images littéraires, etc. La gravure, pintura, etc. Cine, grabados, etc. Et il y a une image qui sur lequel il y avait très peu de choses décrites. Y había una imagen del que se hablaba poco. On était dans les années 1970 en France. En los años 1970 en Francia. Et c'était la photographie. Y era la fotografía. Et j'ai donc pris la photographie pour travailler. Y por lo tanto tomé la fotografía como un elemento para poder trabajar. Et aussitôt après, le livre de Susan Sontag, La photographie, a été traduit. Le livre de Barthes sur la photographie est sorti. Y luego, en ese momento, pues salieron de Susan Sontag sobre fotografía, etc. Ce qui veut dire que le trajet que je vous ai expliqué. Lo que quiero decir es que todo el camino del que yo hablé, o recorrido que hablé. Est peut-être une construction imaginaire. No es más que, puede ser que no sea más que una construcción imaginaria. Et il faut autant se méfier des intellectuels qui parlent de leur passé. Y es mejor no tener cuidado con los filósofos que hablan de su pasado, los intelectuales que hablan de su pasado. Que des militaires qui vous parlent des guerres qu'ils ont faites. Como de los militares que hablan de sus guerras que han realizado. Dans la mesure où j'étais peut-être simplement le fils de mon temps. Quizá porque en ese momento era el hijo de mi propio tiempo. Vous savez, au mois d'octobre, à un moment, il se met à pleuvoir en France. En el mes de octubre, un momento dado, pues empieza a caer. Agua, a llover. Et trois jours après, il y a des champignons partout. Y tres días más tarde hay setas en todos sitios. Et chaque champignon, écoutez-les bien, dit oh qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis original. Y cada seta dice que bonito soy y que original también soy. Et je crois que j'étais un champignon de l'époque. Y creo que era una simple seta de ese momento. À tel point que j'ai vite rencontré des gens qui s'intéressaient à la photographie, etc.
Y así, de este modo, pues encontré mucha gente que se interesaba para la fotografía. Et j'ai pu participer à la création d'une revue sur la photographie, des expositions, des ceci, sí, des cela, etc. Sí, vi cómo se aparecían pues revistas sobre fotografías. Et je me suis laissé dévier. Y poco a poco me he desviado. C'est-à-dire, j'ai appris d'autres pratiques. Y por lo tanto aprendí otras prácticas. J'ai à la fois, je crois, essayé de comprendre ce qu'était un peu la photographie. Por eso pude comprender lo que era en algo lo que es la fotografía. Et puis j'ai aussi, je crois, utilisé la photographie. Y he utilizado también la fotografía. Pour dire des choses philosophiques qui n'avaient, je crois, rien à voir avec ta photographie. Para decir cosas filosóficas que seguramente no tenía nada que ver con la fotografía. La photographie, c'était un peu comme, vous voyez, la paella. Il y a le, c'est avec du riz, je crois, la paella. Hein, vous mettez du riz, mais tout dépend ce que vous mettez dans votre paella. C'est un peu comme la paella. Depende de todo lo que se ponga dentro de la paella. Et je crois que dans la paella photographique, j'ai mis beaucoup de choses qui n'avaient pas à voir avec la photographie. En la paella fotográfica, pues, he puesto muchas cosas que no tenían nada que ver con la fotografía. Mais c'est bien parce que on fait une petite cuisine, un petit quelque chose. Pero está bien porque es como cocinar. Algo. Alors c'est, on participe à des expositions, on fait des livres, on enrichit des artistes qui nous enrichissent nous-mêmes, etc. Hacemos exposiciones, estamos con artistas, enriquecemos los artistas y ellos a nosotros. Et donc j'ai compris que la photographie se caractérisait pas simplement par son essence. Y la fotografía, por lo tanto, se caracterizaba no solo por su esencia. Mais aussi par ses usages, pero por su uso, par son contexte, por su contexto, et par le biais des usages, je pouvais tout ramener ce qui m'intéressait. Y a través de los usos podía yo traer lo que a mí me interesaba. Si je m'intéressais par exemple à la politique et la propagande, hop, je le faisais par la photographie. Si me interesaba la política y la propaganda, lo hacía a través de lo que es la fotografía. Si je m'intéressais au beau, hop, par la photographie. Si era en lo que es lo bello, pues también volvía a la fotografía. Au corps, hop, la y el cuerpo también. Donc, comme nous avons fait. Voilà, oui. Et donc... parallèlement, je faisais de la. J'étais professeur de philosophie. Et después, pues, y al mismo tiempo era profesor de filosofía. Qui a, je crois, été la meilleure formation que j'ai pu avoir. Que ha sido quizá la mejor formación que he podido tener. Parce que j'étais confronté à deux choses essentielles. Porque me veía confrontado a dos cosas esenciales. D'une part, à de grands textes. Por una parte a textos muy importantes. Et d'autre part à des grandes questions. Y por otra parte a importantes preguntas. Alors, les grands textes, c'est doublement intéressant. Los textos fundamentales son muy, muy interesantes. Premièrement, c'est des visions du monde auxquelles on n'aurait jamais pensé. Son visiones del mundo que nunca uno hubiera pensado. Pour les gens qui n'ont jamais lu de livre de philosophie, je vois des gens très jeunes ici. Para los que no hayan leído nunca libro de filosofía y aquí hay jóvenes. C'est comme des films de science-fiction, on n'aurait jamais pensé, et c'est tellement bien. Son libros como libros de ciencia ficción del que nunca uno podía pensar. On comprend pour, quand on voit un film de science-fiction pourquoi on est un extraterrestre. Hein. Por eso. Leyendo ciencia ficción, uno sabe por qué es un extraterrestre. Et deuxièmement, de lire des grands textes. Et segundo, leer grandes textos o importantes. Ça nous oblige à écouter quelqu'un qui ne pense pas du tout comme nous. Nos obliga a entender o a leer a alguien que no piensa como uno mismo. Parce que déjà, nous ne pensons pas souvent. Porque a menudo no pensamos. Et donc, on va être dans... Il y a deux mots français qui sont voisins. On va à la fois entendre et écouter. Por eso vamos a estar, como se dice en francés, oír, como en español también, oír y escuchar. Entendre, c'est-à-dire entendre, comprendre.
un peu comme un moteur. On entender, comprendre, en el sentido de comprender. On démonte un moteur de fusée et après on le remonte. Se desmonta un moteur de cohete et después se reconstruye. Et puis après on prend simplement un petit morceau du moteur. Y luego se coge solo un trocito de ese motor. On le redémonte, on le remonte. Se desmonta y lo volvemos a montar. Et par nous-mêmes on arrive même à reconstituer tout le moteur et toute la fusée. Y poco a poco nosotros mismos podemos reconstruir el motor y el propio cohete. Je trouve que c'est formateur. Y creo que es formador. Et la deuxième chose, c'est que on écoute quasiment au sens psychanalytique du terme. Y por otra parte, escuchamos desde el punto de vista quizá psicoanalítico. C'est-à-dire qu'on écoute ce qui se dit derrière le texte. Escuchamos lo que se está diciendo detrás del texto. Alors bien sûr, comme tout psychanalyste, on invente souvent n'importe quoi. Y por supuesto, como cualquier psicanalista. Psychoanalyste, se inventa cualquier cosa. Où on ressort des choses, on dit ah ben oui, c'est parce que vous avez un père, une mère, etc. Se dice que tienes un padre, una madre, etc. Mais parfois on entend quand même des choses. On fait ce que Althusser appelait une lecture symptomale. Et lo que se decía Althusser, hacemos una lectura symptomale. Et non pas une lecture littérale. Et non littérale. Et ayant connu intellectuellement et pratiquant aussi, ayant été en analyse, et habiendo hecho analítica, je pouvais donc entendre des choses dans les textes qui étaient intéressantes. Y podía entender o oír en los textos cosas interesantes. Et là, vous m'entendez beaucoup parler. Hein. Y se oía mucho hablar. Mais je sais aussi me taire. Y también me sé callar. Je crois que j'ai pu écouter et entendre des artistes ou des hommes politiques ou des gens très différents grâce à cette formation. Creo que he podido escuchar políticos y otros campos de forma muy diferente. Qui renforçait d'ailleurs un service que mon père m'a énormément donné. Y que reforzaba o que algo que mi padre me había dado. Dans la mesure où il parlait énormément, avait de très grandes théories, j'étais obligé simplement de l'écouter pendant les. Porque hablaba mucho y tenía por supuesto que escucharlo. Et ce qui était intéressant, c'était d'entendre quelqu'un qui construisait comme ça des discours, même si j'étais en total désaccord avec ce qu'il disait. Y lo que era interesante oír discursos, aunque yo no estuviera de acuerdo con ello. Et toute personne délirante vous apporte, en fin de compte, beaucoup. Et toute personne enferma también trae muchas cosas. Et il y a eu, j'avais aussi connu un peu la théologie, qui est aussi une pratique très intéressante. Y también conocí un poco lo que es la teología, que es otra práctica también muy interesante. Parce que vous étudiez, par exemple, la théologie hindoue, la théologie. Porque se estudia la chrétienne, porque se estudia la teología india o de la India o la teología cristiana. Et vous voyez comment des gens construisent des choses et c'est vrai qu'il faut telle pièce pour que ça marche, etc., etc. Y ahí se ve cómo la gente construye cosas y que mueven fichas, elementos para construir pensamientos. Et la deuxième chose, je disais, qui est intéressante. Avec la lecture des grands textes, c'est les interrogations que posent ces grands textes. Et después, pues, lo que es una de las preguntas que es interesante es sobre los textos y cómo podemos hacer preguntas a estos mismos textos. Et surtout, c'est les questions que des gens qui ne sont pas du monde de la philosophie peuvent se poser à propos des grands textes. Y son justamente preguntas que se hacen gente que no son de la filosofía. Et que c'est sur ces textes. Et par exemple, vous avez des jeunes filles ou des jeunes gens de 17 ans. Et par exemple, vous avez des jeunes de 17 ans. Qui vous posent des questions sur les textes. Qui plantean preguntas sur les textes. Et je ne dis pas que vous allez pouvoir y répondre.
Et non, je dis que se va pouvoir contester. Mais vous allez travailler le texte et travailler l'interrogation. Pero va a trabajar el texto y lo que es interrogarse. Tout ça m'a servi beaucoup pour connaître d'autres mondes. Eso me sirvió mucho para conocer otros mundos. Que ce soit le monde de l'art, sea el mundo del arte, et les paroles d'artistes et les pratiques artistiques. Y las palabras de artistas o prácticas artísticas. Qui sont des choses magnifiques. Que son magníficas. Où des gens prennent des risques énormes. Que toman riesgos muy grandes. À construire des mondes que eux-mêmes parfois ne comprennent pas totalement. Y construir mundos que ellos mismos también llegan a no entender. Et deuxièmement, c'est aussi en rencontrant des gens de cultures totalement différentes de la mienne. Y también es encontrar personas de otras culturas muy diferentes a la mía. Soit par le changement de lieu, enfin dans d'autres pays que la France. Que sea por un cambio de lugar. Mais surtout par le changement de milieu social. Y sobre todo en el cambio de medios sociales, de clases sociales. Et donc tout ça m'a amené à soutenir une thèse de philosophie qui était sur la photographie actuelle. Y así pues leí mi tesis sobre la fotografía actual. Et je voulais continuer à être professeur de philosophie en lycée. Et quería continuar siendo profesor de filosofía en instituto. Et j'ai reçu un petit papier. Y me enviaron un papelito. Me mettant, cher François, la soutenance de thèse était formidable. Il faut absolument qu'on se rencontre. Signé. Je ne me souviens plus si je retrouverai le nom de la personne. Querido Francisco Suraj, su tesis, su lectura tesis me ha gustado mucho y me gustaría hablar con usted. Et je ne connaissais pas cette personne. Y no conocía esta persona. Et j'ai pris rendez-vous avec lui dans un café au quartier latin. Y estuve con él en un bar, en el barrio latino. Et je suis arrivé bien avant. Y llegué mucho antes. Et je l'ai regardé comme ça. Por todas partes. Et il y a quelqu'un qui est venu vers moi, alors je lui ai dit, ah, hola. Y alguien vino tras mí, y hola. Et il m'a dit, mais il faut absolument que tu rentres à l'université. Il devait usted pour entrer à l'université. Non, c'est pas ça. Il m'a pas dit ça parce qu'il était persuadé que je voulais rentrer à l'université. Il m'a dit où est-ce que tu vas rentrer, etc., etc. Me preguntó dónde quería ir, qué trabajo iba a coger, porque. Et d'habitude, quand on rentre à l'université, on rentre comme maître de conférence. Y normalmente en Francia cuando se entra en la universidad es como ellos llaman maestros de conferencia. Et puis après, quand on est reconnu, on peut essayer de devenir professeur. Y después uno ya es profesor. Alors il me dit, mais moi j'ai un poste pour toi à Clermont-Ferrand. Y yo tengo un puesto para ti en Clermont-Ferrand. Comme professeur en sciences de l'information et de la communication. Como profesor en ciencias de la información y de la comunicación. Alors pour faire ça, il fallait avoir un autre diplôme qui s'appelle l'HDR. Y para eso uno tenía que tener otro título. Et il m'a dit, mais passe ton HDR, d'habitude il faut 3 ans, fais ça rapidement. Y le pidió que lo hiciera rápidamente. Et je suis rentré chez moi et volví a mi casa. Je me suis dit non, j'ai pas envie d'être professeur en sciences d'information et de communication. Decidí no ser profesor en información y comunicación. J'avais un peu l'impression que c'est comme si on m'avait dit il y a un poste de pilote de ligne sur Air France, tu prends l'avion demain, tu diriges demain. Je me disais. Era como si me pidieran ser piloto de aviación y que mañana pues tuviera que pilotar. ¿No? Et en parlant devant vous à la seconde, je me rends compte que c'est aussi quelqu'un qui comprenait que j'aurais pu vendre des machines à laver. Y me di cuenta que era también una persona que veía que también era capaz de vender lavadora. Je veux dire par là que il avait vu que je m'intéressais à la communication, etc. Había visto que me interesaba la comunicación. Et je suis persuadé que j'aurais aimé, en fin de compte, certainement,
faire du commerce. Et se ha dado cuenta que a lo mejor me hubiera gustado hacer comercio. Parce que le commerce, c'est le lien. Porque el comercio es, es en, el enlace. En France, on dit avoir un commerce avec quelqu'un, c'est-à-dire être en lien avec quelqu'un. Es verdad, en, France, en francés se dice tener un comercio con alguien para la relación con otra, voyez, c'est otra pas, persona. C'est pas du tout comme banquier. Le banquier n'a pas de lien, il est avec le... Il fabrique de l'argent. El banquero no tiene relación. Le commerçant, il est là, il arrive. El comerciante, sí. A toujours à vendre quelque chose. On veut peut-être arrêter. Il faut, oui. Alors, on se donne 5 minutes. Oui. Alors, je fais très vite. Donc, en devenant professeur des universités, j'ai donc... d'abord, je suis devenu maître de conférence, etc., puis après professeur, et j'étais confronté à des... Varias etapas como profesor. J'étais confronté donc à des étudiants, à des doctorants. Me he encontrado con estudiantes, con doctorando. Qui sont venus avec leurs différences et que j'ai travaillé beaucoup à partir de toutes ces différences-là. Y que han venido con todos ellos con sus propias diferencias. Et pour essayer de bien faire mon travail. Y para hacer como es debido mi trabajo. Mais ça m'intéressait aussi. Me interesaba también. J'ai publié, donc, là, à l'heure actuelle, j'ai publié peut-être un tiers de livres seul. He publicado más o menos un tercio de los libros solo. Ou peut-être, oui, c'est ça. Et puis deux tiers, au moins, de livres avec des gens. Y dos tercios de los libros con otras personas. Et donc, des livres, soit deux ou trois, soit sous ma direction... ou en travaillant comme le livre qu'on a fait avec Pedro. Le libro con dos o tres personas o con otras o más o con dirección mía, etc. Alors, quand je dis ça, c'est pas anecdotique. Comment? Quand je dis cela, c'est pas anecdotique. Ah, cuando digo esto no es algo anecdótico. Parce que je crois que ce qui est le plus important peut-être dans un travail intellectuel, c'est la méthode qu'il utilise. Porque quizá lo más importante en un intelectual es el método que utiliza. Et deuxièmement, j'ai été ouvert à des tas de choses différentes. Y por otra parte estaba abierto a muchas cosas diferentes. Et ces 10 dernières années, je le fais très vite. Y en los últimos 10 años, j'ai, à partir de la photographie, travaillé sur photographie et corps politique. A partir de la fotografía he trabajado sobre fotografía y cuerpos políticos. Et j'ai été très frappé par la photographie d'Abu Ghraib, vous savez que l'armée américaine a faite. Y la fotografía que me impactó era la fotografía aquella que apareció de Abu Ghraib. Et vous voyez, photographie et corps politique, je pouvais parler de l'image, du corps, de la politique. Y podía pues hablar del cuerpo, de la imagen, de la política. Et ça a intéressé d'autres gens qui m'ont dit de travailler avec eux. Y eso interesó a otras personas que me pidieron trabajar con ellos. Et en conséquence, j'ai publié 8 livres là-dessus. Y hemos publicado unos 8 libros sobre este tema. Dans différents pays, en France aussi, bien sûr. En diferentes países. Un en France. Et uno en Francia. Et j'ai, à partir de cet aspect politique, j'ai travaillé sur photographie, médias et capitalisme. Y a partir de esto, pues, he trabajado sobre fotografía, medios de comunicación y capitalismo. L'idée est même venue de personnes que je connaissais pas, mais qui me connaissaient de Corée, avec qui j'ai construit ça. L'idée que venía incluso de personas que venían de Corea. Et que no conocía incluso. Et en même temps, j'ai écrit des livres et j'ai été sollicité sur l'esthétique de la photographie, puis sur des travaux avec des artistes. Y después, pues, he escrito libros sobre estética de la fotografía y otros. Et puis après, j'ai travaillé sur la problématique locale et globale. Y luego trabajé sobre la problemática local y global. Où j'ai travaillé notamment avec Pilar et Pedro. Y he trabajado ante todo con Pilar y conmigo. Et il y aura 2 livres dessus. Y tendremos 2 libros sobre estos temas. Et depuis
un an et demi, je travaille sur la frontière. Y desde hace un año y medio, más o menos, trabajo sobre sobre las fronteras. Mais je terminerai là-dessus en, en articulant à la fois l'aspect artistique, l'aspect politique, l'aspect philosophique, l'aspect psychanalytique, etc. Uniendo l'aspecto político, l'aspecto filosófico, l'aspecto analítico. En travaillant avec des gens très différents. Trabajando con gente muy diferente. L'an dernier, il y a eu 170 chercheurs qui ont écrit des textes et qui ont travaillé avec moi. L'année passée, unos 160 investigadores han trabajado sobre esto. Selon des modalités très différentes. Sobre modalidades muy diferentes. Dans des lieux très différents. En lugares muy diferentes. Et dans des pays aussi très différents. Y en países muy diferentes también. Et accompagné l'an dernier de 6 expositions, une au Pérou, une au Brésil, une. Y otros acompañado mais... con exposiciones como en Perú o en el propio Brasil. Alors, voyez, si on avait une idée, une image à garder. Si tuviéramos una imagen para mantener, para guardar. C'est une sorte de paella qui se renouvelle d'année en année. Es una especie de paella que se renueva cada año. Mais le plat est de plus en plus grand parce que je vieillis. El plato es cada vez más grande porque también envejezco. Et ça veut dire qu'à la fois j'ai de plus en plus faim. Lo que significa que cada vez tengo más hambre. Je crois que vous allez trouver ça très prétentieux. Mais je suis moins stupide qu'avant. Y quizás creáis que soy muy pretencioso. Ouais. Soy menos estúpido que antes. Je trouve que on pense de mieux en mieux. Pensamos cada vez mejor. Et la paella doit être très grande parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent manger avec moi. Y la paella tiene que ser muy grande porque cada vez hay más gente para comer conmigo. Et donc le trajet intellectuel n'est pas qu'un trajet de torture, bien au contraire. El trayecto de intelectual, por lo tanto, no es un trayecto de tortura. Ça devrait être un festin. Debería de ser un festín. Et Platon parlait même du banquet. Alors, et Platón de ello hablaba del banquete. Alors j'espère qu'on va pouvoir aller manger avec Pedro tout à l'heure. Et por lo tanto, podremos ir a comer con Pedro. En tout cas, merci de votre patience. Merci à toi, gracias a tu exposición. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo creo que hemos conseguido dos cosas, que era, además de hacer un intelectual y su memoria, también una profesión de las humanidades, porque nos ha explicado algunas de las cosas que se pueden hacer a través de esa carrera y de esa trayectoria intelectual. Yo me alegro mucho que no se dedicase a las ventas y que finalmente se orientase a la docencia y la investigación, porque finalmente yo he tomado dos folios de apuntes porque no tenía más. Pero eso implica que la escucha ha sido muy estimulante y espero que todos ustedes hayan disfrutado. Muchísimas gracias, profesor Solás, muchísimas gracias, profesor Sanginés, muchas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you.